Salut les amis, n'arrondissons pas les coins, faisons carrément un carré en l'occurrence carré d'agneau, je précise à ma façon. Élément principal, le carré d'agneau, acheté à la boucherie Père et Fils, produit local, sel, poivre du moulin, demi-glace de veau. Élément de panure, chapelure italienne assaisonnée, moutarde de Dijon, huile d'olive, pesto au basilic aillé. Aïe. Éléments de garniture, légumes, tomates, vignes, haricots verts extra fins sans fil, romarin, purée maison. Pour les papillotes, on verra plus tard. Le carré acheté brut, je lui ai retiré les apophyses qui sont situées ici, dégagé les vertèbres comme ça, pour dégager chaque côte afin que le coupage soit plus facile. Ensuite, les manches, coupées comme ça, j'ai retiré l'entrecôte comme ceci et fait les manches comme ça. On parle d'un carré pour deux personnes, donc 3 et 3, 6, ciseaux. Une fois mon carré habillé, je le cisaille. Les parures, je les ai réservées, elles sont ici. Je réserve le tout. Nous parlons d'une cuisson au four, donc je préchauffe mon four à 400 degrés. Bien sûr, 400 degrés Fahrenheit. Je vais faire saisir le carré à la poêle, poêle allume, huile d'olive, comme ça. La poêle est chaude, carré, j'insère, sel, comme ça. Poivre. Et voilà. Après quelques secondes, je tourne. Sel. Poivre. Côté. Je tourne. Comme ça. Presque fini, je mets les parures. Je fais ritonner. C'est une cuisson à concentration du sucre. Donc, en saisissant, les sucres rentrent à l'intérieur, caramélisent l'extérieur, tous les sucres restent à l'intérieur. Opération presque terminée. Quelques brindilles de romarin, comme cela. L'ail, je mets. Je tourne régulièrement. Ceci terminé, carré, je débarrasse. Poêle, je dégraisse. Demi-glace de veau, à la poêle. Spatule, réduction. Fond d'agneau, minute, terminé, je passe au chinois. Louche. Terminé. Fond d'agneau, minute, je réserve. Le carré repose. Phase légumes. Haricots verts extra fins sans fil. J'égalise. Coupe. Tourne. Égalise. Haricots verts. Eau bouillante. Salée. Tomate, vigne. J'ai cut. Pédoncule. Couteau. Je coupe. Dispose de la poêle. Je réserve. Haricots cuits. J'égoutte. Je refroidis. Eau froide. J'égoutte. Je réserve. Haricots verts égouttés. Je réserve. De la poêle. Assiette terminée. Alors, sauce au chaud. Légumes de garniture terminés, passons à la panure du carré. Chapelure, dans le bol. Pesto, basilic, comme ça. Fouet, je mélange. Pesto, j'ajoute. C'est légèrement un peu trop sec, huile d'olive, j'ajoute. Comme ça. Chapelure bien humectée, comme cela, bien mélangée, je réserve. Tomate à la provençale, poivre.
sel, cuillère, chapelure, comme ça, tasse, je réserve, carré d'agneau dans la poêle, moutarde, partout. C'est assez. Débarrasse. Carré, la chapelure. Cuillère, j'appuie. Pince, je dispose. Dans la poêle. Ceci fait, j'insère la sonde au cœur. Comme cela. Cuisson au cœur sera 63 degrés. Celsius. J'insère au four préchauffé, kata. Tomate, huile d'olive, comme ça, au four. Et voilà. Papillote faite maison. Papier, on plie. Ciseaux, je coupe. Ligne, comme ça. Ciseaux, je coupe. Jusqu'à l'agneau rouge. Je retourne la pliure dans l'autre sens. Je replie. Fusil. Je tourne. Tête. Comme ça, je place, je tourne. Je démoule. Ciseaux, je coupe. Papillote, terminée. 20 minutes, heure locale du nord-ouest. C'est cuit. 63 degrés Celsius, on sort du four. Je réserve. La sonde, je la sors. Comme ça. Légumes chauds, je dresse. Pommes de terre, bain-marie, poche. Assiette, je tourne. Feston. Comme ça. Rosace asymétrique. Comme ça. Poche terminée, je réserve. Tomate provençale. Une, deux. Gousse d'ail, confite, par-dessus. Comme cela. Un couvert extra fin. Un fagot. Carré d'agneau, je coupe. Je dispose. Et la troisième, comme cela. Pour les papillotes, un peu old fashion. Mais les modes reviennent toujours. Persil haché, par-ci par-là. Jus de cuisson. Comme ça. La cerise du gâteau, la branche de romarin. Comme ça. Voilà mon carré d'agneau pour deux personnes. Très appétissant. Merci à vous qui me suivez en Nouvelle-Zélande et partout ailleurs. Merci, bye.